La forêt, c'est un immense garde-manger qui comporte des cycles de renouvellement bien précis. Ça peut sembler anarchique. Une année, on dirait qu'il pleut des cocottes, c'est un buffet à volonté, tandis que l'année suivante, c'est la disette. Et pourtant, ces cycles ne relèvent pas du hasard et les animaux ont appris à s'y adapter. Dans la forêt boréale, en plein hiver, le chant des oiseaux crée une ambiance de printemps. Nous sommes dans la forêt Montmorency, au nord de Québec. Et le professeur ornithologue André Desrochers s'intéresse à un visiteur venu en grand nombre à l'hiver 2020, le bec croisé bifacier. L'hiver 2019-2020 va passer... au livre Guinness des records de bec croisé bifacier, là, à la forêt Montmorency en tout cas, parce qu'on en a des nombres. En fait, on n'en a pas vu autant depuis au moins une quinzaine d'années environ, je dirais. Là. Observation faite, le bec croisé bifacier est en pleine nidification, en plein hiver. Actuellement, en fait, c'est ça, on est en pleine saison de reproduction. C'est un oiseau qui... C'est ça qui est assez impressionnant parce qu'il peut faire très froid, on peut être en plein mois de février, puis on voit les mâles là, qui ont le plumage rouge là, en parade nuptiale. Ils vont faire des vols planés là, au-dessus des arbres, puis ils vont chanter en même temps. Puis c'est pas un comportement qu'on s'attendrait de voir en plein hiver parce que d'habitude, les oiseaux sont comme en mode survie. Là. Mais ces oiseaux-là, ils nichent, ils peuvent nicher carrément au mois de janvier. Là. Comme son nom l'indique, le bec croisé bifacier a le bec croisé. Ce bec est spécialement adapté pour ouvrir les combes d'épinettes, les fameuses cocottes. Avec son bec, il sépare les écailles pour y retirer les graines, sa nourriture préférée. Cet oiseau de la famille des fringillidés est nomade, donc difficile pour les chercheurs de suivre sa trace. On aimerait bien avoir une estimation de la population des becs croisés, mais c'est extrêmement difficile parce que c'est des oiseaux justement qui sont nomades. Alors, les ornithologues de métier vont baguer, par exemple, des oiseaux. Puis de cette manière-là, on peut avoir une estimation plus précise des nombres d'individus. Mais si tu bagues des becs croisés, le problème, c'est que tu as des grosses chances de plus jamais revoir tes oiseaux baguer parce qu'ils peuvent aussi bien se retrouver à plusieurs kilomètres de là. Ils peuvent, cette année, se trouver dans la région de Québec. Puis l'année prochaine, ils peuvent aussi bien se trouver au Manitoba ou en Saskatchewan. Donc, ils sont capables de se déplacer sur des grandes distances. Mais c'est un oiseau qui est cyclique quand même. Quelques années, on n'a pas du tout, là, mais vraiment aucun dans le radar des ornithologues. Et soudainement, il arrive de nulle part, puis il s'installe. Ce qu'on vit en ce moment. Si le bec croisé bifacier se retrouve ici en grand nombre, c'est qu'il suit l'offre de nourriture. Et à l'hiver 2020, en forêt boréale, il y a eu une explosion de cônes dans les conifères. Ils sont un peu peinturés dans un coin d'une certaine manière parce qu'ils sont excellents pour manger des cônes et du coup, bien, ils sont très mauvais pour manger autre chose. Donc, ils sont vraiment associés étroitement à la production de cônes là, dans les forêts. Mais cette production abondante de cônes ne sert pas seulement le bec croisé bifacier. Elle favorise aussi l'écureuil roux. Ça fait des années qu'on fait des relevés de mammifères ici à la forêt Montmorency. En faisant des dénombrements des pistes dans la neige. Évidemment, ça ne nous donne pas un nombre exact d'écureuils, mais c'est clair que plus il y a de pistes, bien, plus ça nous indique que les écureuils sont abondants. Et cet hiver, on voit des pistes d'écureuils partout à la forêt Montmorency. C'est un animal qui ne mange pas juste des cônes, il mange des fruits. Puis aussi, les gens vont peut-être être étonnés d'apprendre ça, mais c'est un animal qui va faire de la prédation de nids d'oiseaux. Il va manger des œufs puis des oisillons. Alors, l'ornithologue en moi me fait un peu redouter ce qui s'en vient cet été, parce que là, on a une grosse production. On a eu cet automne une grosse production d'écureuils, puis on a une belle survie d'écureuils cet hiver. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup de prédateurs dans le système l'été prochain. Mais qu'est-ce qui explique l'abondance de cônes dont profitent tant écureuils et oiseaux? On va aller là-bas, j'en ai vu un beau là-bas, là, je pense. Cela résulte d'un cycle de reproduction des forêts, ce que l'on appelle les années semencières, où tous les arbres dans la forêt sont en mode reproduction. Si tous les arbres produisent du pollen, produisent des fleurs, produisent des cônes durant la même année, toutes les ressources sont dépensées durant ces années-là, bien, le succès au niveau de la pollinisation puis de la fertilisation des cônes est meilleur, OK? Parce qu'il y a plus de pollen qui circule, ça fait une meilleure année de production de cônes. Mathieu Bouchard analyse ce cycle d'années semencières pour en déterminer la fréquence et l'ampleur. Bon, regarde, lui, là-bas, il a l'air pas pire, hein?
Pour y voir plus clair, il doit d'abord choisir un arbre vivant assez vieux. Bon. On cible ici un sapin baumier. Tu penses que c'est correct? Penses-tu que tu as de la place pour le faire tomber? Oh, d'après moi, ça devrait être un facile, ça. On en vérifie l'âge à l'aide d'une carotte forée dans le tronc. On a coupé l'arbre. Ce que ça nous permet de voir, c'est vraiment la production de cônes qui est située dans la partie vraiment en haut de l'arbre. Donc ici, on a la portion qui est... C'est un arbre de 19,5 mètres de haut. Puis on a la portion, peut-être le 2 ou 3 mètres là, supérieur, où la production de cônes était vraiment concentrée. Donc les cocottes des arbres sont situées là. Une simple analyse à vue d'œil des branches du conifère permet de voir les années semencières. On voit très bien les pousses qui ont eu lieu durant chaque année. Ça, c'est la pousse qui a eu lieu en 2019, en 2018, en 2017. Donc, on est capable comme ça de reconstruire la croissance de l'arbre, puis on est capable de voir lorsqu'il y a eu d'anciennes années de production de cônes. Une analyse plus poussée en laboratoire permettra de bien quantifier ces années de reproduction. Mais déjà, le chercheur confirme l'importance de cette dernière année semencière. Ce qu'on voit, ce sont des restes des cônes qui ont été produits durant l'automne et l'hiver dernier. Les écailles sont tombées, donc ça laisse des pics. Puis il y en a énormément. Donc tout ça, là, tous ces petits pics-là qu'on voit, c'était la production de cônes de l'an passé. Donc on voit que c'était une très, très grosse année. Après ça, il faut retourner peut-être jusqu'en 2006, 2005-2006, où on a une très grosse année, 1995. Donc, c'est peut-être aux 10 ans, en gros, là, où on a des années très, très, très importantes. La forêt vit donc des cycles de renouvellement et de reproduction naturelle. Mais surtout, elle vit sur des cycles bien établis où toute la forêt répond en même temps. Ce qui explique ce synchronisme-là à grande échelle, c'est le fait que les arbres répondent à des signaux météorologiques ou climatiques assez précis. Donc, lorsqu'il y a un été relativement chaud et sec, tous les arbres, en même temps, sont capables de le percevoir. Puis au fil de l'évolution naturelle, c'est une façon qu'ils ont trouvé, les arbres, au fil de l'évolution, d'être capables de synchroniser les années semencières en utilisant les signaux climatiques. On sait que ça n'arrive pas deux années de suite. Parce que l'arbre, lorsqu'il y a une grosse année comme ça, épuise ses réserves. Puis l'année d'après, bien, il doit se reconstituer. Même si la météo est très favorable, il n'y aura pas une très grosse année semencière. En espaçant les grosses années semencières, ça fait qu'il n'y a pas de population, soit d'insectes granivores ou de mammifères ou d'oiseaux granivores qui peuvent se bâtir. Puis à un moment donné, ces populations-là deviennent tellement importantes qu'à chaque année, elles mangent tous les cônes. Okay? Donc, une façon que l'arbre a trouvé d'essayer de contourner un petit peu ce problème-là, mais c'est d'espacer les années semencières. Début juillet, André Desrochers retourne à la forêt Montmorency pour faire cette fois son dénombrement annuel des populations d'oiseaux. Grâce à des enregistrements de différents cris et chants, il attire les oiseaux pour les compter. C'est parce qu'on veut avoir un contact visuel avec les oiseaux. Puis ça nous permet de déterminer s'il y a des oiseaux qui sont en mode parental. Puis comment on détermine ça? Bien, s'ils transportent de la nourriture dans leur bec, un peu comme les merles dans la cour chez nous, là. Alors, les oiseaux en forêt vont nous indiquer qu'ils sont en reproduction de cette manière-là. André Desrochers note ses observations sur la reproduction année après année depuis 1995. Cette année, il observe que les becs croisés bifaciers ont déjà quitté, mais que les écureuils roux sont encore bien présents. Cette année, il y a vraiment une explosion de la population. Donc, c'est dans la lancée de ce qu'on observait ou dans la foulée de ce qu'on observait l'hiver dernier, où il y avait des traces d'écureuils partout dans la neige. Par exemple, lors de mes points de station d'observation d'oiseaux, je note aussi toute vocalisation ou présence d'écureuils. Puis je te dirais qu'il y a environ 90 % des endroits où on fait nos relevés d'oiseaux où je dénote la présence des écureuils. C'est vraiment très élevé. Je serais assez à l'aise de dire qu'il doit y avoir 3 ou 4 fois plus d'écureuils qu'à l'habitude cette année. Après analyse, la saison de reproduction a été lourdement touchée par la trop grande présence d'écureuils. Mais pour les chercheurs, tout cela ne relève pas du hasard, mais bien du cycle de vie dans la forêt.
c'est un environnement où il y a la quantité de ressources est limitée. Hein? Donc, il y a beaucoup de compétition entre toutes les espèces, les arbres, les insectes, les animaux, pour arriver à compléter leur cycle vital. Donc, ils ont chacun de ces groupes-là, chacune de ces espèces-là a développé des mécanismes, OK? Puis qui s'ajustent pour s'ajuster les uns aux autres, pour être capable de toujours de gagner cette espèce de compétition-là. Ça sonne un peu comme un cliché de dire que tout est interrelié. Ça fait longtemps qu'on dit ça, puis il n'y a rien de plus vrai que ça, en réalité. Et je dirais que j'irais plus loin en disant que tout est relié de manière non linéaire et complexe. Je vois ces cycles-là, puis je me dis, bien, la nature en a probablement vu d'autres.